Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de l'actualité de la crypto-monnaie en général. Nous allons parler de formation en particulier. Alors, je suis avec Monsieur Krak qui est venu faire sa formation. Et il est venu nous trouver à Boaké ici. Alors, il va vous dire bonjour avant que nous commençons. Nous allons l'interviewer tout à l'heure. Mais déjà, il va vous dire bonjour. Monsieur Krak, voilà. Bonjour tout le monde. Comme le dit le coach, j'étais à une mission à Korogo. Donc, de retour, j'ai fait escale ici pour approfondir mes connaissances en termes de crypto-monnaie. Voilà. Donc, je vous invite à suivre l'actualité des crypto-monnaies et puis surtout vous former pour que nous soyons en phase avec les nouvelles monnaies électronique. Ok, merci beaucoup. Voilà, donc ce matin, il est question de parler de crypto-monnaie, mais aussi de parler de tout ce qui concerne la formation. Voilà, donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Alors, comme je le disais, voilà, ce matin, nous allons parler de formation en particulier. Voilà, il se trouve que M. Krak était de passage à Boaké. Alors, il a fait escale ici pour essayer de se former parce qu'il avait déjà fait une première formation. Alors, ce qu'on appelle, nous sommes en train de faire ici ce matin, c'est ce qu'on appelle un renforcement des capacités. Alors, cela s'impose, pourquoi? Parce que on ne peut pas faire une seule formation et être en même temps un expert ou bien maîtriser tous les aspects. Alors, chaque fois que vous pouvez le faire, alors vous faites ce qu'on appelle un renforcement des capacités ou bien vous venez vous reformer à nouveau, en tout cas pour maîtriser tous les outils qu'on vous a donnés pour pouvoir profiter au maximum. Voilà. Donc, avant même de continuer sur cet aspect, nous avons parlé dernièrement de l'application de Binance qu'on appelle DAP. Alors, DAP, que cette application qui permet de vérifier tout ce qui est contrat PP20. Alors, nous avons regardé quelques contrats la dernière fois, tels que Yoshi, tels que Arriva, tels que Baby Doge. Alors, je vous ai dit, faites vos propres recherches. Alors, LightRabbit vient de lancer sur, comme information sur son Twitter officiel, voilà, que D7Swap.finance a fait leur certification. Alors, du nouveau contrat V2, voilà, LightRabbit, ils ont réduit l'offre et actuellement, ils sont à 1 million de milliards de pièces, même offre, un quadrillion si vous voulez, même offre que le Shiba. Et là, c'est bon, ça c'est bon. Par rapport à millions de milliards de milliards de pièces, on ne sait plus comment on lisait. Donc, du coup, c'est bon. Donc, ils disent qu'ils ont fait leur certification. Pas certique comme on parle des aides soit point finance. Alors après cette certification, si par exemple quelqu'un qui n'a pas cette information de certification vient par exemple à lui son niveau, vient directement prendre l'application et il va regarder l'application, nous dit ici que LightRabbit par rapport au contrat V2, alors l'application nous dit que il est médium, c'est à dire les risques sont, on va dire, pas trop grands, mais pas aussi trop faibles. Il est entre les deux. Alors, dans ces conditions, il ne conseille pas d'investir, d'interagir avec le contrat intelligent. Pendant ce temps, quand nous partons, écoutez, c'est que quand nous partons, regardez, parce que quand ils ont fait leur certification avec D7 soit point finance, alors cette certification-là, ils ont mis cette certification à disposition. Alors, vous pouvez télécharger et aller regarder. Et nous avons téléchargé, pris la peine de regarder. Alors, certains aspects qui ont été, par exemple, qui ont attiré notre attention. Alors, la liquidité a été bloquée. Alors, ils ont vérifié qu'il n'y a pas d'accès dérobé. Alors, tout ça, ça a été vérifié. Maintenant, concernant l'application de Binance, alors Binance nous dit que, peu importe ce qui a été dit, alors eux, ils trouvent que le contrat n'est pas totalement fiable. Alors, ils présentent un risque assez médium par rapport à un investisseur. Voilà ce qui est dit. Alors, je vous laisse à vous-même le choix de faire vos propres recherches pour pouvoir décider entre les deux. Qu'est-ce que vous faites? Alors, pour pouvoir mieux cerner les choses, vous lisez vous-même comme je l'ai fait avant de prendre vos propres décisions.
Donc pourquoi vous dites, quelle que soit l'application qu'on vous donne, vous-même, vos propres recherches ont leur importance pour pouvoir prendre une meilleure décision. Vous ne pouvez pas vous fier sur une seule application et prendre les décisions dans ce sens-là. Voilà ce que je pourrais vous dire concernant cette application. Alors, nous allons regarder rapidement et nous allons revenir. Voilà, nous allons faire, comment on appelle, la vérification en passant par date de bilan du contrat de Lighter Rabbit qui a été déjà certifié par DZSwap.finance. Donc voilà le contrat que nous avons copié. Alors nous partons dans l'application. Vous allez voir, quand je vous dis de faire vos propres recherches, vous allez comprendre pourquoi je le dis. Voilà, donc ici, nous sommes sur l'appli de Binance. Voilà l'appli d'AP que nous avons présenté dernièrement. Voilà. Donc nous allons coller ici le contrat de Lighter Rabbit et nous allons le scaler et nous allons écouter ce que voilà cette application nous dit. Traduisons. Voilà le diagnostic. Les contrats de ce projet ne sont pas correctement configurés ou contiennent des bugs peu graves, peu probables. D'où certains risques potentiels. Voilà ce qui est dit. Ces risques peuvent ou non être directement liés à des pertes d'argent. Cependant, il faut y prêter attention car ils peuvent agir comme une partie individuelle ou effectuer des hacks ou combiner plusieurs risques peut entraîner de graves impacts. Il est conseillé aux utilisateurs d'être prudents, à moins d'être totalement compris les risques. Voilà ce qui est dit concrètement. On nous dit quoi ici? Quand on finit de lire ça, on nous dit que ce contrat-là, selon eux, présente des risques. Voilà, et le risque ici est médium. Médium, c'est-à-dire qu'il n'est pas petit, il n'est pas aussi totalement grand. Mais il est au milieu. Voilà ce que ça dit. Ça, c'est ce que les risques qui sont évalués par l'application. Maintenant, qu'est-ce que nous dit Binance? Alors, ça, c'est ce que Binance nous dit à travers son application. Maintenant, nous allons partir dans la vidéo pour aller vous expliquer aussi qu'est-ce que DZSwap nous dit, DZSwap qui a fait aussi l'analyse, nous dit que le contrat est fiable. Voilà, donc nous retournons dans la vidéo pour faire les commentaires qui... Voilà, vous avez suivi la petite vidéo qui vous présentait un peu comment est-ce que l'appli d'AP, comment on appelle, de Binance fonctionne. Alors, ils ont dit, comme je l'ai dit tout tantôt, que c'était médium. Médium, alors, du coup, la décision vous revient à vous-même pour choisir quelle est la procédure à suivre. Je vais investir ou bien je ne vais pas investir. Alors, tu es informé par deux tendances. Une tendance, on va dire, moins exigeante, telle que DZSwap qui a pris la peine de faire cette vérification en profondeur. Binance qui vous dit aussi de son côté que le risque est un peu plus grand. Alors, c'est à vous de faire vos propres recherches et de comparer tout ça. Et lorsque vous comparez, que vous comprenez en profondeur dans le projet, que le projet fait tout pour aller dans le sens, alors vous prenez vos risques en fonction de toutes ces informations qui ont été récoltées, qui ont été croisées. Alors, ça vous donne une indication sur ce que vous devez faire comme action à mener. Voilà ce que vous devez comprendre à travers cela. Maintenant, nous allons parler à notre invité, M. Kra, qui est ici devant vous. Voilà, il va vous dire ses impressions concernant la petite formation qu'il a fait ici. Alors, Monsieur Kra, dites-nous comment vous avez trouvé cette formation. Cette formation, d'abord, bien avant que je vous connaisse, j'avais des informations concernant les crypto-monnaies. Oui. Donc, comme ça, sur votre réseau, je vous ai connu via les différentes vidéos, je vous ai connu, je vous ai suivi et comme ça
J'ai pris rendez-vous avec le coach, et puis comme ça, pour venir approfondir, comme je l'ai dit tantôt, mes connaissances. Merci. Donc vraiment, il faut dire que actuellement, ne pas connaître, ne pas être dans le monde des crypto-monnaies, c'est comme si tu es en retard. Voilà. Donc vraiment, il faut être dedans. C'est ça. Il faut être dedans pour connaître les petites astuces aussi. Effectivement. Pour profiter de l'écosystème en profondeur. Puisque avant, on entendait ça globalement comme ça, mais il y a plein de petits trucs à cerner. Mais ça, tout ça, ça passe par une formation. C'est ça. Voilà. Donc, se former, très important. Donc, au sorti de cette formation, il me dit que j'ai quelques outils pour non seulement être dedans et puis avancer au fur et à mesure. Mais la formation, elle est toujours continue. Elle ne s'arrête pas à un seul jour. Donc, il faut continuer, il faut être dedans pour que tu puisses bien assimiler. Et puis voilà, tu seras toujours libre, disons, quand tu es en face d'une monnaie, tu sauras quoi faire. Surtout, tu sauras quelles quoi sont faire. Les premières choses, après, quels sont les réflexes à avoir, peu importe le contrat que quelqu'un t'envoie, comment tu dois réagir face à ce contrat, quels sont les premiers aspects que tu dois mettre en place. Oui. Voilà, est-ce que je dois investir? Pourquoi je dois investir? Est-ce qu'il mérite que moi je lui mette mon argent? Alors, grâce à la formation, tu peux savoir toutes ces informations parce que tu ne vas pas te jeter sur n'importe. Il y a plus de 20 000 crypto-monnaies qui existent. Tu ne peux pas investir dans tout. Voilà. Maintenant, pourquoi tu choisis celui-là? Pourquoi tu choisis Shiba? Pourquoi tu choisis Baby Doge? Pourquoi tu choisis Raka? Pourquoi tu choisis le Cake? Pourquoi tu choisis Polkadot? Pourquoi ceux-là tu les choisis et que tu ne choisis pas les autres? Pourquoi? Alors, pour savoir cela, il te faut aller en profondeur pour comprendre les astuces qu'il faut mettre en place pour pouvoir choisir. Je pense bien que cette formation permettra à M. Kra ici présent de pouvoir faire tout ceci avec une facilité incroyable. Voilà. Pouvoir rester sur son lit, acheter des monnaies. Pouvoir rester sur son lit, vendre des crypto-monnaies à distance et pouvoir bénéficier de cet argent directement sur son mobile money. Voilà des choses que M. Kra n'avait pas la possibilité de faire et qu'il pourra faire désormais. Voilà au moins quelque chose pour vous dire que tout le monde peut apprendre. Alors au départ, il nous disait que bon, il n'est pas trop outillé en informatique. Nous lui avons dit, en tant qu'un professionnel même déjà du bâtiment, alors ça veut dire déjà que tu es quelqu'un qui est dans la technique. Ça, c'est déjà quelque chose, c'est un acquis. Alors si tu es déjà dans la technique, si tu arrives à faire ça, c'est que moi-même, je ne peux pas faire. Tu as même devant des fils de courant, où est le neutre, où est le positif, moi, je ne peux pas te dire. Mais toi, en tant qu'un professionnel, tu peux me dire, ici, là, c'est le nœud, celui-là, ça va dans la terre, celui-là, ça va ici. Moi, je te suis parce que tu es un professionnel. Mais ici, c'est la même chose aussi. En tant que professionnel aussi, dans mon domaine, je te dis, ici, crac. Si on te donne un contrat, voilà comment il faut interagir avec ce contrat. Voilà comment il faut interagir avec le contrat. Tel projet, quand tu vois ce genre d'indicateurs dans un projet, ce n'est pas la peine de mettre ton argent dessus. Il faut passer ton chemin. Quand tu vois un tel projet, tu peux mettre un peu d'argent ici. Ici, là, mais ce n'est même pas la peine. Maintenant, quand tu finis de mettre l'argent dans le projet, voilà comment tu peux faire de sorte aussi pour bénéficier au quotidien, au lieu d'attendre jusqu'en 2025-2026. Tous les jours, tu peux faire tes 1$, tes 2$, tes 10$. Tu peux le faire à travers cette formation. Voilà des choses que M. Kra a acquis et qui va mettre en exergue à partir d'aujourd'hui. M. Kra, avoir un mot de fin. Comme je le disais, soyons dans cette lancée de nouvelles monnaies. Ça, c'est du réel. J'ai à travers quelqu'un, j'ai connu même la chose. Et il vit de ça. Mais on fait comment? Il faut apprendre. On apprend. Ils ont leur thème technique à staker, à swapper, de faire du trading, du farming, tout ça là. Comme on a besoin de liquidité aussi, il y a cette possibilité de chaque jour avoir de 1 ou 2 dollars par jour, comme il le disait, et puis avoir son argent dans ton mobile money, et puis voilà, tu es libre quoi. Tu es libre. Donc, vraiment, je le remercie encore pour avoir eu cette initiative de former pratiquement
les Africains, en particulier les Ivoiriens. Voilà. Donc, je vous invite encore à suivre ces vidéos et surtout, venez vous former pour que vous soyez en phase avec les crypto-monnaies. Merci beaucoup, Monsieur Kra. Voilà, ici va prendre fin notre petite interview, cette petite vidéo rapide de témoignages et aussi de motivation pour les gens qui traînent encore les pas, qui pensent que les choses vont descendre du ciel. Alors, la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.